le Karama des eaux minérales est présente sur le marché marocain depuis 2007 à travers deux produits. Le produit historique, c'est Ain Sultan, et le produit qui a démarré en 2015, c'est Aman. Ain Sultan, donc, c'est une eau minérale naturelle qui jaillit depuis les sources d'Imouzel, Imouzel Kandal, dans la région de Fès. Et Aman Sous, c'est une eau de table que nous avons démarré sur Agadir pour servir le grand sud, le sud du royaume, puisqu'il y a un grand manque d'eau sur cette région. Aujourd'hui, nous opérons sur tout le territoire marocain à travers les deux produits. Nous avons pratiquement tous les formats, depuis le petit format qui servent pour la CHR jusqu'au grand format familial, le 5 litres. Aujourd'hui, on est présent sur le SIAM, le salon agricole, en 2019. C'est la, je pense, la 13e édition. Le Karama, c'est sa 3e participation au salon SIAM. On vient ici pour exposer nos produits et surtout les nouveautés. Aujourd'hui, on vient de sortir une nouvelle bouteille d'Aman rose que nous avons dédiée à la femme marocaine. Et pour nous, la femme, elle joue un rôle très important dans notre organisation et dans l'esprit du groupe. Aussi, nous sommes en train de démarrer une nouvelle unité sur le Gherb à Kinitra, où nous allons produire du Aman, c'est Aman Gherb, c'est une eau de table aussi, et qui va servir le nord du Maroc et l'oriental. Aujourd'hui, El Karama, c'est à peu près 55 millions de litres que nous distribuons sur le sol marocain, et on est au service du consommateur marocain pour gagner en hygiène et gagner en santé. Pour la qualité de nos eaux, pour le cas de Ain Sultan, c'est une eau très pauvre en sodium, qui est très conseillée pour les régimes sans sel au Maroc. Et pour le cas d'Aman, c'est la première eau de table aujourd'hui qui est conseillée pour les bébés et pour les femmes enceintes.